Salut les potos, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Donc là, je vais vous présenter un glitch de duplication ultra facile d'Eligi. Bon, ça sera des plaques sales, donc il vous faudra des plaques e-fruit. Et je suis en compagnie de poteau Kevin by Apple. Donc je vous mets sa chaîne dans la description, abonnez-vous à lui parce qu'il a déjà sorti le glitch. Et vous voyez, sur ce coup, vous l'aurez eu déjà cet après-midi. Donc gros GG à Kevin by Apple qui a amélioré la méthode d'un glitch de KG qui est sorti dans la nuit là. Donc franchement, vous allez voir, on va enchaîner trois véhicules normal. Donc il va vous falloir acheter des Fajo, un Fajo déjà dans le camion mobile, et ensuite vous allez acheter des Fajo un peu partout. Vous mettez dans les Fajo dans vos garages, pas dans le QG de motard, d'accord, parce qu'on pourra pas switcher le véhicule sinon. Donc vous remplissez un garage de Fajo plus un dans le mock. Et le mock, vous allez le mettre comme moi, devant votre complexe. Le plus près possible du complexe, peu importe, mais mettez-le pas trop loin. Comme ça, on va pouvoir faire des enchaînements. Donc moi, mon complexe est aux éoliennes. Il est parfait. Tout spawn à côté. Vous allez voir la technique de malade. Ça marchera avec tous les complexes. Il vous faudra être en session sur invitation obligatoire. Avoir un ami. Une Eligi custom rétro. Pour faire de l'argent, donc une voiture de chez Beniz pour faire de l'argent seulement. Ou sinon, vous allez dupliquer des véhicules qui vous servent à rien. Donc vous customisez une custom rétro avec la transformation. Vous la mettez dans votre complexe. Et il va vous falloir au moins un véhicule dans le complexe. Vous pouvez le remplir quand même. Mais au moins un véhicule, parce qu'après il va falloir switcher pour le faire réapparaître. Allez, on va repartir sur les bases. Donc votre ami, vous l'invitez dans votre complexe. Il a une seule chose à faire, c'est lancer une mission Titan. Si vous vous buguez toute la nuit, il met un élastique à sa manette et il reste dans la mission de Titan. Donc moi là, je suis en level 3, j'ai pas la mission Titan, ça marchera avec toutes les missions. Encore une fois, merci à Kevin pour cette méthode qui tue grave. Plaque e-fruit obligatoire. Donc on va dupliquer des plaques sales, ça veut dire on clone des véhicules. On va pas créer des véhicules en écrasant un autre. Donc là, moi j'ai pris une plaque blanche. Encore une fois, merci à Kevin qui m'a offert son véhicule. Donc vous faites ça ou avec des plaques blanches ou plaque e-fruit. Et sinon, vous allez avoir des limites de vente que vous arriverez jamais à revendre les véhicules au prix qu'il faut. Vos prix vont baisser. Je vous le conseille pas si vous n'avez pas de plaque e-fruit. Ne faites pas ça. Donc là, mon ami va se bugger dans une session. Dans une mission, pardon. Donc mission Titan, il clique et il se met dans le menu. Donc moi, j'ai cette mission là, j'ai que celle-là. Ça marche aussi. Donc c'est explosion avec Simeon, c'est parfait. Une fois qu'il est dans ce menu, il reste là, AFK. S'il faut, il met un élastique. Vous pourrez faire le glitch toute la nuit. Ça marchera. D'accord? Votre ami, il n'aura que ça à faire. Très, très facile. Et être en chat party avec vous. Donc, vous faites un chat party privé, tous les deux. Bim. Parce qu'à un moment, il va falloir rejoindre le chat party. Donc là, Kevin est bugué. C'est bon. Moi, maintenant, je vais m'occuper de faire les duplications. Très, très facile à faire. Les gars, si c'est pas fait, abonnez-vous, un petit pouce pour nous motiver. Et c'est parti. Donc allez, vous allez monter dans votre Eligi Custom Retro. Il va falloir faire PS, chat party. Et on va aller dans rejoindre session. Et là, c'est là qu'il y aura le seul timing du glitch. Il y aura juste à rejoindre session et en même temps vous spammez accélération. Ça veut dire vous appuyez plein de fois sur accélération. Pas besoin de rester appuyé. Ça buggera encore mieux. Donc là, je vais cliquer sur Kevin.
Bon, comme il est hors ligne, on va attendre quelques secondes qu'il se mette en ligne. Donc faites ça avec des illégaux ou sinon vous n'allez pas gagner d'argent. Au pire, vous pouvez commencer avec une voiture de chez Beniz et après finir par la RH8. Donc là, vous voyez, je clique rejoindre session PAM, je spam accélération, je valide les messages, donc vous allez accepter ces messages. Et il va vous falloir être buggé dans la cinématique à un moment. Donc là, vous spammez encore accéléré. Donc là, si vous avez ça, c'est bon. Sinon, vous recommencez. Vous avez juste à re-rentrer dans le complexe et vous pouvez recommencer. Donc là, j'accélère pour me débugger. C'est parfait. Maintenant, il faut que j'aille à mon camion mock. Donc, quand je me rapproche de mon camion, je vais ouvrir mon pavé tactile, mon menu du camion. Et je vais demander le véhicule personnel. Donc, le véhicule personnel que j'ai mis dedans, c'est un Fadjo. Et un Fadjo qui n'est pas dans le QG de motard. Sinon, vous ne pourrez pas après switcher vos véhicules comme il faut. Donc n'en mettez aucun dans votre QG de motard pour pas vous tromper. Là, je fais camion mobile, demandez véhicule personnel, vous attendez d'être livré. Une fois que vous allez voir votre véhicule, vous allez rentrer votre Elegy dans le camion. Nickel. Donc là, vous allez avoir un menu, un écran noir, infini. Il va falloir faire PS et rejoindre encore une fois l'activité de votre pote. Et vous allez accepter les deux messages que GTA va vous proposer. Voilà. Donc là, je clique rejoindre session. Pas besoin d'accélérer, rien. Là, je vais accepter les messages. Bim. Je suis débugué. Vous allez avoir un écran noir avec le véhicule. Comme ça. Vous attendez un peu. Et voilà, deux véhicules dans le mock. Vous allez sortir de votre véhicule et prendre la vraie duplication. Donc là, en haut, c'est un véhicule bugué. Hop. Vous récupérez votre véhicule, vous le sortez, vous le re-rentrez pour le valider. Ensuite, je vais sortir à pied et je vais appeler un Fadjo pour pousser ce véhicule, que je puisse en refaire un autre. Vous avez vu les gars? One shot. Donc là, j'appelle un Fadjo. Vous avez vu avec le club de motards. Hein, vous mettez en club de motards direct. J'ai oublié de vous le dire. Club de motards, session sur invitation. Et c'est parti. Bim, je pousse mon véhicule dans mon garage. J'ai un Fadjo à l'intérieur. Et je peux recommencer ma manipulation. Donc je me remets au complexe. Vous avez vu comme Kevin est buggé dans mon complexe. Mon camion mobile, il disparaît pas. Une tuerie totale. Que normalement, dès qu'on rentre dans le complexe, votre camion mobile disparaît. Mais là, vous êtes buggé. Donc autant en profiter. Une tuerie les potos. J'adore ce glitch. Il est trop bon. Vous allez pouvoir dupliquer du lourd. Faire des bonnes éligues avec des plaques custom, bien sûr. Allez, là, il faudra pas oublier, vous allez vers votre custom ou mécano, je sais pas trop. Vous allez dans ce rond et vous allez switcher les véhicules. Donc là, elle est visible. Mais sur le prochain coup, elle ne sera pas visible. Donc vous la switchez pour la débugger. Et on va recommencer. On va refaire une autre duplication. Donc les gars, pour avoir une plaque blanche, Kevin by Apple, il a fait un glitch pour faire les plaques blanches. Si vraiment vous êtes en galère de plaques, allez voir ce glitch. C'est pas patché.
Et vous pourrez faire comme moi, des plaques sans numéro, et ça fonctionnera pour tout le monde. Voilà. En tout cas, Kevin, il assure grave. Il m'a montré la méthode en 2 spi, au top. Allez, c'est reparti. Vous montez dans votre RH8, PS, parti, rejoindre session. Dès que vous cliquez sur rejoindre session, vous spammez accélération. Pam, 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 plein de fois accélération. Ça va vous bugger. Vous allez voir le véhicule dans les airs. Ça voudra dire que ça sera bon. Eh ben là, c'est pas bon. Donc j'ai trop attendu pour accélérer. J'ai juste à rentrer dans le complexe. Au moins, vous aurez vu quand on fail, ce qui peut arriver. Et là, c'est à cause de moi. J'ai accéléré trop tard. J'ai attendu de voir l'écran pour accélérer. Que normalement, il faut, dès que vous avez cliqué sur rejoindre session, donc c'est activité, parce qu'il est dans l'activité buggée, il attend. Il faut rejoindre session et direct spammer accélérer. Vous appuyez plein de fois sur accélérer. Allez, on va recommencer. PS, parti, Kevin, rejoindre session, bim, et j'ai spam accéléré. Donc vous avez vu, même si vous fail, c'est rapide de recommencer. Spam accéléré, vous validez les messages, vous acceptez tous les messages. Et spam et accélérer tout le temps, jusqu'à temps que vous êtes réapparu. Voilà, là moi je spam encore pour faire apparaître. Et bim, plus qu'à retourner au camion mock. Vous allez faire pavé tactile, demander véhicule. Dès qu'il a apparu, pareil, on re-rentre la Heli-Guy dans le camion mock. Vous allez le sortir, le re-rentrer pour le valider votre duplication. Si vous respectez les étapes, les gars, vous allez remplir vos garages, vos deux personnages même. N'hésitez pas. Si vous avez des plaques custom ou si vous faites le glitch et plaques blanches, remplissez tous vos garages. Et un petit conseil entre nous, pour pas être patché, vous allez en mode histoire. Et ensuite, vous mettez votre console en mode repos. Comme ça, demain, vous venez, vous continuez votre glitch tranquille. Vous avez juste un pote qui doit venir vous aider. Peu importe s'il est patché, il pourra vous aider. Ça, c'est entre nous. Bim, j'attends un peu. Que ça se débug et je vais vous en refaire une autre. Je sors du véhicule, je monte dans la duplication. Et là, j'aurai juste à la sortir et à la rentrer. Je redemande un Fadjo, je vais en refaire une les gars. Je suis chaud bouillant. Ce glitch, il est trop. What the fuck? Allez, là on pousse la Heli-Guy. Complet. Le camion il est plein. On ressort et on recommence. Donc, je vais vous redire les étapes. On va rentrer dans le complexe, on va aller switcher les véhicules, faire réapparaître. Là, vous allez le voir, comme c'est la deuxième, vous allez voir que il est invisible. Moi, premier coup, elle était visible, mais switcher quand même, parce qu'elle est visible, mais en fait, elle est buggée.
Donc pour ceux qui sont pas patchés, d'autres de véhicules, rendez-vous dimanche sûr. Hein. Donc demain je ferai peut-être un petit live pour vous donner des véhicules. Mais dimanche, je vais rester avec vous et je vais vous donner maximum de véhicules à tous ceux qui sont pas patchés. Ça veut dire que vous avez suivi, que vous avez bloqué votre console. Voilà les potos. Et j'espère même si samedi il y a un nouveau glitch dans le véhicule, que vous n'allez pas éteindre votre console, vous allez le garder, je vais le faire avec vous. Et on va se donner des véhicules à mort. Allez, j'ai switché ma RH8 Eligi Custom Retro Full 950 000 dollars minimum. Le pactole, les gars. En plus, avec une plaque custom, vous allez pouvoir en vendre plusieurs. Donc, moi, je vous conseille une espacée d'une heure à chaque fois. Ne vendez pas comme ça d'un coup. Et vous pourrez en vendre quatre faciles. Comme ça, vous n'atteignez pas votre limite de vente. C'est parti, vous montez dans votre voiture, vous allez faire PS, vous allez rejoindre la chat party, votre collègue qui est bugué dans l'activité, et dès que vous avez cliqué l'activité, bam, vous spammez accélérer, vous acceptez ces messages, vous spammez accélérer là plein de fois, boum 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 boum, cliquez plein de fois accélérer, encore là, ça va vous débugger. Là, je spam accélérer. Bim. Je rejoins mon camion. Je vais ouvrir mon pavé tactile. Je vais faire demande de véhicule personnel. Dès que votre véhicule personnel a apparu à côté de vous, vous rentrez la duplication dans le mock. Quand je vous disais que Kevin c'était un des meilleurs, voilà, direct, bim, il nous a sorti le glitch avec la méthode du mock. Voilà, moi je l'ai encore pas vu nulle part. Eh ben, c'est une tuerie. Voilà. Un petit glitch, illico, presto. Allez. Le véhicule a apparu, vous rentrez votre véhicule dans le mock. Vous allez avoir un écran infini buggé. Je vais refaire PS. Je vais rejoindre Kevin dans son activité. Je vais accepter les messages. Et j'aurai ma duplication dans le camion. Ah, vous n'avez pas besoin d'accélérer, quoi que ce soit, vous faites rien. Vous avez juste à accepter les messages, laisser faire. Vous allez avoir la voiture dans l'écran noir. Avec votre mécano, peut-être. Bon, c'est pas ça, pas tout le monde, suivant la vue. Allez, là, c'est bon. Je peux descendre de mon véhicule et prendre la vraie duplication. N'oubliez pas de la sortir et de la re-rentrer avant de la switcher. Voilà les potos, je me suis régalé à vous sortir ce glitch. Amusez-vous bien. Faites-vous grave plaisir les gars. Vous avez de quoi être riche là. Voilà, c'est vraiment un glitch de duplication et d'argent facile. Grosse bise les potos, n'oubliez pas votre plaque e-fruit. Sinon vos véhicules, vous allez les vendre 100 000 et vous allez être bloqué pendant très très longtemps. Genre vous allez être bloqué avec un véhicule par jour. Et si vous voulez débloquer ça, il vous faudra plus vendre de véhicules pendant 9 mois. Donc, ne faites pas les cons avec des plaques sales. Ne faites pas ça. Plaque sale, ça veut dire toujours le même numéro sur les plaques. Parce que c'est pas une duplication, c'est cloné. En fait, on crée un véhicule. Ok les potos? Grosse bise à tout le monde, à très vite. Ciao, ciao.